data that's gathered from the fitness testing and the medicals and the functional movement screening here at the NHL Combine is interpreted by our sports science department. And the information and feedback that they give us, we look to see if that supports what we've identified on the ice and what we have evaluated through each of these prospects. It will give us green flags with certain prospects, maybe yellow or caution to some, and red flags that we need to dive into deeper to see what the underlying issues are that may impede a prospect's ability to improve themselves as athletes and as hockey players. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt de créer un dashboard vraiment avec le joueur. C'est de pouvoir rassembler toutes les données pour donner l'information à Trevor et son staff. Donc, on va créer ce dashboard-là pour regarder les forces et les faiblesses du joueur. On regarde aussi le potentiel peut-être de blessure du joueur aussi. I think the information that we get here has helped us to prevent from making mistakes. To identifying movement issues, for example, with athletes that would impede their improvement in skating, for example, and from preventing or limiting them from achieving their full potential as players. Especially in today's game where the game is so fast, so quick, and the players have to be such great skaters. That's just an example of the information that we've taken from the combines that have been useful in the projection process of a scouting staff. An example of a red flag maybe a player that does very poorly on the long jump. And the long jump, we find, is a correlation with their skating ability, their ability to have quick feet and to produce speed as well. La réalité de la NHL des dernières années, on voit que tout se passe dans des espaces vraiment restreints, soit les accélérations, une bataille pour aller récupérer une rondelle, où est-ce qu'on peut s'échapper. Mais on voit que tout ça, c'est relié à la puissance, puissance des membres inférieurs, être capable de, sur une courte distance, d'accélérer très rapidement. Mais on voit certaines qualités qui ressortent chez certains joueurs, puis on prend l'exemple des défenseurs qui doivent batailler dans les coins, pousser des joueurs devant le filet. Mais c'est sûr qu'un test de puissance du haut du corps va nous aider à voir si le joueur est capable de faire ce travail-là. On prend chez Weber qui déplace des joueurs devant, bien, il est très très fort au niveau du haut du corps. C'est une tendance qu'on remarque chez les défenseurs qui est très très différente des gardiens de but puis des attaquants. C'est rare qu'on voit un gardien de but qui est très fort du niveau du haut du corps, mais on veut qu'il soit mobile et être capable d'aller chercher des rondelles le plus loin possible. Donc, chaque position a ses qualités. Puis nous, on essaie d'aller tracer un portrait un peu de ces qualités-là pour Trevor. With regards to last year's combine and Jesperi Kotkaniemi, I think what came out of this combine was that he had athletic potential and there was still a lot of growth potential left in him. And there still is today. So, I mean, he's still young. He's 19 years old and, you know, he's not near his man strength. And so seeing that potential and the upside that he had was what we took away from this combine last year. C'est sûr que dans l'ensemble, une semaine comme ici à Buffalo, ben, le joueur va rencontrer Marc Bergevin, va rencontrer Trevor Timmons. Donc déjà, s'il fait une bonne impression avec sa rencontre, en plus d'avoir eu des bons tests et d'être un bon joueur sur la glace, mais il met toutes les chances pour se faire remarquer. Mais je dirais, à l'opposé, on a déjà vu même des joueurs qui avaient des très très bons tests ici dans le gym, qui n'étaient pas nécessairement des très bons joueurs sur la glace.